Nous sommes ici dans le salon de musique de l'ambassade de France qui a été rénové récemment par les équipes venues de Versailles. Ce genre de moments, ce sont des moments importants pour une ambassade comme la nôtre parce que un de nos objectifs, c'est de participer au débat d'idées dans le pays de résidence, ici au Danemark, d'en être un des acteurs. Il faut réfléchir sur le concept de barbarie en se disant qu'il ne faut pas utiliser ce terme-là, qui est une occasion de ne pas penser l'autre. Il ne faut pas penser à la place de l'autre, mais de ne pas penser l'autre. Dans ce monde où tout va de plus en plus vite, où on s'engloutit dans ce rythme, tout ce qui arrête, tout ce qui nous arrête un moment et nous permet de contempler, de réfléchir, de faire des passerelles inattendues entre les arts majeurs, eh bien, tout cela nous élève et ce sont des moments rares qu'il faut savoir apprécier. Doucement, les guerriers poussent le Sénécar qui rejoint la mer. Et cette façon de revisiter l'histoire du Danemark, de souligner ce passé viking qui nous est commun, à la fois comme pays de la Normandie, la France, et puis en même temps comme pays d'accueil, le Danemark, je trouve que c'est extrêmement astucieux et bien vu. Quand on meurt, effectivement, le corps brûlé, incendié, s'en va vers le soleil, et que le feu va vers le feu, et que le feu consume le feu, et que c'est le destin de tout un chacun. Métaphoriquement, bien sûr, nul n'est obligé de se faire incinérer, mais c'est aussi un récit initiatique. Et quand j'ai assisté hier soir à la création mondiale, comme on dit en la matière, j'étais extrêmement ému parce qu'il y avait, l'histoire de mon père, mais qu'il y avait aussi une histoire qui peut concerner chacun. J'ose espérer que chacun dans la vie aura eu qui un père, un grand-père, un ami, un professeur, une amoureuse ou une femme, je ne sais pas, mais qui lui aura permis d'être une boussole, qui lui aura permis le nord, qui lui aura permis de construire une existence de vous. Et vous pensez bien que ce récit qui m'est propre, personnel, qui devient un jour papier, quand il devient, par la grâce de Pierre, composition et nos amis Sophie et Stéphane, quand ça devient musique, eh bien, effectivement, c'est une grande émotion pour moi. Ils ont apporté, effectivement, d'abord un élément de surprise, parce que quand on programme un concert, en général, le public, oui, s'attend à quelque chose. Il s'attend à ce qu'on nomme un concert de musique classique, que ce soit contemporaine ou pas. Les gens s'attendent à quelque chose. Et là, je savais que ce qu'ils allaient recevoir ne correspondrait pas forcément à ce qu'ils attendaient au départ. C'est une découverte par rapport à Michel Onfray, parce que je ne connaissais pas cette partie de son œuvre, et une découverte tout court, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai été tout à fait pris et ému par le texte, et sa mise en musique par Pierre Thillois, vraiment très très forte. J'ai trouvé que l'association texte et musique était aussi très très prenante et comme une histoire, on se laisse complètement porter. Le temps mécanique d'écriture est un peu plus long, peut-être, mais c'est pareil, j'ai eu un maître qui m'a appris m'a toujours dit que si j'avais un jour l'angoisse devant la page blanche, de changer de métier. Ça, je confirme qu'effectivement, c'est une bonne remarque. Je veux qu'on parle de la France inventive, créative, sensible, courageuse, entreprenante, et la France qui débat et qui fait réfléchir.